ressources naturelles et sources de vie est une préoccupation première et déterminante pour tout développement social et économique dans notre royaume. Dès 1967, feu Sa Majesté Hassan II initiera une politique volontariste de construction des grands barrages. مرارا أهدت بشعبي العزيز أن يتجند حتى يمكننا أن ندرك المليون هكتار الذي يجعلنا في مأمن من عدة أخطار وحينما دعوت إلى المليون هكتار كنت لا أرى إلى التغذية فحسب أما اليوم علينا أن نعلم أن الإنتاج الفلاحي يصبح في بعض الظروف وعند بعض الدول ذا قيمة أكثر من الذهب وأكثر من البترول. Le souverain visait d'abord la garantie d'approvisionnement en eau ainsi que la sécurité alimentaire de la population. Celle-ci atteint aujourd'hui plus de 5 millions d'habitants au niveau de la zone d'action de l'agence du bassin hydraulique de l'Oumarbeer. Soit 16,2% de la population totale du royaume, dont 39% au milieu urbain et 61% s'activent au milieu rural. Grâce à cette politique, le Maroc possède aujourd'hui un patrimoine hydraulique important, mais la rareté, les sécheresses courantes et la demande croissante en eau appellent de plus en plus une gestion durable des ressources en eau. Conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, آن الأوان لنغير جذريا نظرتنا وسلوكنا تجاه الماء من خلال تدبير الطلب عليه وأقلنة استهلاكه مع مواصلة الجهود من أجل تعبئة كافة الموارد المائية القابلة لذلك والسير قدما في سبيل إنجاز منشآت التخزين وتحويل المياه من الأحواض ذات الفائض نحو الأحواض المعوزة Une nouvelle stratégie de l'eau a été mise en place, basée sur un accès à l'eau généralisé au milieu rural et urbain et une gestion participative et intégrée, en cohérence avec le respect de l'environnement. Progressivement, cette nouvelle politique de gestion d'eau a été mise en place. Ainsi, les agences du bassin hydraulique ont vu le jour. La gestion rationnelle et la planification prospective des ressources en eau assureront la disponibilité de cette denrée en quantité suffisante, en qualité requise pour l'ensemble des usagers. Conformément aux inspirations du développement économique et social, ainsi qu'aux orientations des plans sectoriels. Le tout dans des conditions techniquement optimisées et acceptables sur le plan économique, et durable sur le plan environnemental. Attelée à cette tâche, l'agence du bassin hydraulique de l'Oumarbeer, instituée par décret du 20 novembre 1996, est la toute première agence à lancer ses activités. Cet établissement public est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'agence est ainsi appelée à jouer un rôle fédérateur auprès de l'ensemble des acteurs locaux dans le secteur de l'eau et à l'intérieur de sa zone d'action. Les missions de l'agence sont très variées. Outre l'élaboration des plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau et de veiller à son application, l'agence a d'autres tâches. Elle varie entre l'administratif et le technique. Elle délivre les autorisations et concessions d'utilisation de domaines publics hydrauliques. Elle fournit l'aide financière et toute prestation de services et d'assistance technique aux personnes publiques ou privées qui en feraient la demande, soit pour prévenir la pollution des ressources en eau, soit en vue d'un aménagement ou d'une utilisation du domaine public hydraulique.
La zone d'action de l'agence s'étale sur 48 000 km² de superficie. Le bassin hydraulique de l'Umrbir occupe 35 000 km². Cette zone concerne totalement ou partiellement 5 régions et 16 provinces. L'agence couvre un potentiel agricole irrigable de près de 500 000 hectares, servi par 15 barrages, dont la capacité totale est de 5 100 millions de mètres cubes et de 3 canaux de 600 km de longueur. La production électrique, quant à elle, n'est pas en reste puisqu'elle est en moyenne de 1887 millions kWh. L'Umrbir est le principal cours d'eau du bassin. Il prend sa source dans le Moyen Atlas où il est alimenté par un ensemble de systèmes hydrologiques et hydrogéologiques, d'autres comme les lacs Dagulmen Ezgza, Isli et Tislit et des sources d'eau douces et salées et se jettent dans l'océan Atlantique d'Ezmour. Il reçoit plusieurs afflux dont l'Abid, Tassaout et l'Akhdar avec une pluviométrie moyenne annuelle de 370 mm. Les apports d'eau sont estimés à 3250 millions de mètres cubes. Ces apports sont très dépendants des aléas climatiques et donc très irréguliers dans le temps avec une forte disparité spatiale. En souterrain, le bassin de l'Umrbir dispose d'une dizaine de nappes souterraines dont le potentiel mobilisable est de 350 millions de mètres cubes. Outre le monde rural pour l'irrigation, ces nappes sont exploitées essentiellement pour l'alimentation en eau potable et industrielle des principales villes du bassin. En termes de gestion, l'agence intervient en tant qu'administrateur et gestionnaire du domaine public hydraulique, notamment par le contrôle de l'utilisation du DPH. L'instruction et l'octroi des autorisations d'occupation et d'utilisation du DPH, la détermination et le recouvrement et la redevance due par les usagers du DPH. En matière d'encadrement, l'agence intervient par des actions de communication pour la sensibilisation des usagers à l'utilisation rationnelle du DPH et la vulgarisation des actions permettant une bonne gestion de l'eau. La zone d'action de l'agence comporte une importante infrastructure, des ouvrages hydrauliques permettant de garantir la satisfaction des besoins en eau potable, industrielle et agricole. Actuellement, on compte 15 barrages et 7 systèmes de transfert d'eau. L'infrastructure hydraulique réalisée assure les besoins en eau potable et industrielle au niveau de la zone et contribue à satisfaire ceux des plus grandes métropoles du royaume, à savoir le Grand Casablanca et Marrakech. Elle permet également l'irrigation de près de 500 000 hectares. L'agence possède un rayon d'action diversifié et large, notamment dans l'assistance technique, le développement de partenariats, l'assistance financière et la concertation avec les acteurs locaux ou nationaux opérant dans la gestion des ressources en eau. Agissant sa qualité d'institution citoyenne et en termes de sensibilisation, l'agence du bassin hydraulique de l'Umrbir œuvre pour instaurer une conscience collective pour les questions et les problématiques relatives à l'eau.
Ces actions de communication visent toutes les catégories d'usagers et toutes les franges de la société. Dans ce sens, elles bénéficient aux écoliers de la région en les sensibilisant à l'importance de la préservation des ressources en eau. De nombreuses activités sont programmées dans des ateliers de peinture, d'histoire, de théâtre et autres. L'agence du bassin hydraulique de l'Umrbea veille à la sécurité du patrimoine hydraulique et à la sauvegarde des ressources en eau par une série d'actions, notamment la prévention des situations d'exception, la maîtrise des ouvrages d'art, la lutte contre les inondations, l'entretien et la maintenance des ouvrages hydrauliques, le suivi contractif des ressources en eau, le recouvrement des redevances et finalement l'octroi des aides financières. La zone dispose d'atouts économiques importants qui lui ont permis d'occuper une place distinguée à l'échelle nationale et de contribuer au développement économique et social et à la lutte contre les disparités sociales et régionales. Ces potentialités sont perceptibles à travers une agriculture de plus en plus moderne, une industrie en constante évolution, surtout dans les secteurs miniers et agroalimentaires et un tourisme diversifié. Le développement économique et social auquel la zone évolue se traduit en une forte pression sur les ressources en eau en termes d'accroissement des demandes en eau et d'augmentation des flux de pollution, et cela dans un contexte hydroclimatologique instable et fragile. Garantir la sécurité hydrique de la zone est un défi majeur qui nécessite une vigilance permettant de faire les ajustements nécessaires de manière prospective. En tant qu'institution régionale, l'agence œuvre pour l'adoption d'une approche globale en matière de gestion de ressources en eau qui doit faire preuve de clairvoyance et de perspicacité. Cette approche est en quête constante d'équilibre, excluant l'excès dans l'offre des ressources disponibles tout en maintenant la demande dans des limites raisonnables sur la base d'une répartition rationnelle de cette richesse, écartant les risques de contentieux, de monopole et de gaspillage.